Sortez depuis le bateau, vous sortez dans le Adi, ne gratte pas la voiture si tu peux venir, Lolo. Alors, j'ai dit vos papiers. Alors, j'ai pris sa carte d'identité, j'ai relevé toute son identité, etc. Et j'ai dit, écoutez. Puisque c'est comme ça, hein, maintenant, je lui dis, l'appareil est confisqué, j'appelle la police et vous partez. Et si je vous revois, de toute façon, si je vois, j'ai pris son numéro de voiture, et si je vous revois, de toute façon, ce sont les flics. Alors, j'ai appelé les flics, alors la gendarmerie à Saint-Pierre. Alors je leur ai expliqué, je leur ai donné ça. Alors ils me disent, bon. Alors après 8 jours après, ils se sont très embêtés avec cet appareil. Alors, nous sommes arrivés à visionner, on ne voyait que les pieds. On vous reconnaît. Parce qu'il avait filmé dans le sac, on voyait que des pieds et l'eau et les pieds. Et oui. Par exemple, une autre chose. C'est le principe, quoi. Mais non, moi je voulais pas que ça soit, si tu veux, des images quand même, oui, sur un circuit, hein, bon, qui partent. Hein. Et alors ils m'ont dit, vous savez, on ne peut pas garder cet appareil. Et bien je lui ai dit, écoutez, si vous voulez pas le garder, ramenez-le. Alors ils m'ont ramené l'appareil, non, ça c'est. Alors Jacques, à Paris, il est allé voir le mode d'emploi à la FNAC, etc. Et vous n'avez rien. Et on a l'appareil. Vous ne pouvez pas le faire marcher, même pas. L'année prochaine, il sera à nous, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et il n'est pas revenu le réclamer, le gars. Tu penses? Il n'est pas revenu, hein. C'est un petit peu. Après, c'était ce que. Je filme, avancez. Comment on fait là? On te regarde? Moi, jamais ainsi. Je ne vais pas faire ça.